Donc, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Aujourd'hui je fais tout simplement la nouvelle saison. On va tout d'abord découvrir cette nouvelle saison, et ensuite on fera peut-être une vidéo où j'achète tout simplement des choses, des skins encore. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart Tour parce que j'avais plus trop de temps et d'intérêt en vrai. Parfait. Je vais peut-être y jouer un peu plus. Là, je viens de voir, enfin hier, j'ai vu que j'avais tout simplement plus de 700 gemmes, et ça représente plusieurs centaines d'euros, hein, plusieurs. Parce qu'il me semble que 80 ça vaut 100 euros. Alors 700, je sais même pas pourquoi j'en ai autant. Pourtant, je suis pas partenaire avec Nintendo. J'ai demandé une fois. Au sujet de Mario Kart Tour, si je pouvais être partenaire, mais ils m'ont dit qu'ils faisaient pas, il me semble. En tout cas, plus maintenant. Enfin, je sais pas. Il y a un problème avec le son, parce que j'ai pas mis. Ouais, c'est assez dommage. Merci encore à Let's View. Let's View qui est un programme, une application qui permet tout simplement d'enregistrer son écran. Et on peut enregistrer, donc vous avez la version gratuite et la version payante. Et avec du coup la version payante, vous pouvez tout simplement vraiment faire en 4K, enfin vraiment avec une qualité superbe. Et donc là par exemple je peux. C'est pour ça qu'il y a une bonne qualité. Bon, au montage, moi je vais baisser la qualité du jeu parce que bon j'ai pas une super connexion pour l'upload, mais sinon vous pouvez tout simplement vraiment avoir la même qualité que votre écran, surtout si vous avez par exemple comme moi un iPhone 15 Pro. Avant j'avais un 11 et pareil, enfin vraiment la qualité est superbe franchement. Alors, on va aller par là. Donc là, le skin que j'ai, c'est le Toad Touriste. Et je l'ai acheté pareil dans la boutique. Et il était en promo. Il avait 30 de promotion. 30 gemmes en moins. 150. Enfin, 60. Non. Si, ah non, je crois que c'était même. Non, je crois que c'était 100 au lieu de 150. 80, je sais plus. En tout cas, c'était tellement rentable que. En fait, ce que je vais faire, c'est à chaque saison. Alors, je crois que les saisons, c'est tous les mois. Et à chaque saison, j'achète les skins comme ça. C'est dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est pas vraiment les skins, c'est surtout plein de skins pour avoir plein de bonus plus tard sur différentes maps, etc. Si je peux avoir par exemple le x3 sur tous les serveurs, enfin sur toutes les maps, ce serait incroyable, ce serait nickel. Tac. Alors, grosse banane. Non. Ok, parfait. Revanche réussie. Bon. On va finir troisième. Oh non, plus. Là, on est au truc d'Artemis, là. Je reconnais. Artemis en Grèce. Ou le Panthéon. Parthénon, Parthénon. Non, c'est une blague. Quatrième. En tout cas, je finis avec 7000 de points. N'empêche, si on va regarder dans le top score, je suis premier, alors que je les ai toutes mal réussies. J'ai fait que des faux. Des games à top 3, etc. Franchement, j'ai eu de la chance. Et donc, oui, c'était là, en promo. Donc, ça, c'était 80-80, et ça, c'était 130, peut-être, je sais plus. Au lieu d'acheter lui directement, vaut mieux acheter les promos.
Pas mal. La saison. Ah d'ailleurs. Ah non, ça j'ai tout. Déjà tout. La saison, c'est dans 9 jours, saison printanier. Ok, bah parfait. On va tester du coup ensuite. Juste les différents personnages. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, tout en double positif. Allez, ciao!